Des ruines. D'accord. Voyons où ça nous mène. Silence a dû se servir de cette machine pour tracter son joujou. Ça doit être l'orbe dans lequel Silence a fourré Hadès. Et cette porte. On dirait un bâtiment de Pharo. Ou d'Aube Zéro. Allez, Hadès, t'es toujours là ? Silence t'a interrogé au sujet du signal mystérieux. Celui qui t'a réveillé, t'a donné une conscience. Qui l'a envoyé ? Signal transmis par les maîtres. Qui sont les maîtres ? Les maîtres m'ont réveillé pour détruire toute vie sur Terre. Qui pourrait vouloir ça ? Quand le signal mystérieux t'a transformé, il a rendu les autres fonctions subordonnées de Gaïa conscientes. Tu as fui quand Gaïa s'est autodétruite, mais elles aussi. Où sont-elles allées ? Chaque fonction a migré vers des coordonnées basées sur... Erreur de mes erronées, structure de mémoire désintégrée. Tadia démente, éparpillée on ne sait où pour faire on ne sait quoi. Héphaïstos fait des milliers de victimes chaque année avec les machines de combat qu'il fabrique. Et tu as failli détruire le monde. Cette autre fonction en liberté qui complote, ça sent pas bon. Tu n'es pas contente. Tant mieux. On t'a déjà dit que tu avais une personnalité géniale, Hadès. Sarcasme détecté. Oui, je m'en doutais. Qu'est-ce que Silence t'a fait, Hadès ? C'est comme si... on t'avait vidé. Silence m'a interrogé. Et qu'est-ce que tu lui as dit ? Erreur donnée erronée, structure de mémoire désintégrée. Tu ne te souviens de rien ? Je me souviens de toi. Quoi, quand je t'ai battu à la flèche ? Bon, ça ne mènera nulle part. Tu sais où est allé Silence ? Non, il est parti il y a 12,8 jours. Peut-être qu'il a... Erreur, structure de prédiction de comportement désintégrée. Alors tu n'en sais pas plus que moi. Génial.
sais pourquoi Silence t'a amené jusqu'à ces ruines ? Silence avait prévu que tu me trouves ici même. Évidemment. Pourquoi ? C'était quoi cet endroit ? Ce lieu était le... erreur de mes erronées, structure de mémoire désintégrée. Mais tu... Je suppose que je comprendrai à l'intérieur. Silence t'a demandé où trouver une copie de Gaïa. Erreur de nez erronée, structure de mémoire désintégrée. Bien sûr, ça aurait été trop simple. Ça suffit. Il est temps d'en finir. La Aloy croit-elle encore pouvoir restaurer Gaïa, sauver la vie sur Terre ? Oui, Aloy y croit. Alors tu te trompes. Extinction inévitable. Qu'est-ce que t'en sais, Hadès ? T'as essayé deux fois de détruire la vie terrestre et t'as échoué. La seule extinction que tu as provoquée, c'est la tienne. Et il n'y a pas de lance trafiquée pour te sauver cette fois. C'est inexact. Trois fois, Hadès a détruit la vie. Quoi ? Tu te souviens de ça ? Oui, de mes intacts. Biosphère non viable, annihilée. En l'an 2154, 2161, 168. Et alors ? C'était il y a des siècles. C'est pour ça que tu as été conçu. La biosphère actuelle est la version 5. Il n'y aura aucune version 6. Ce ne sera pas nécessaire. Je sauverai celle-ci. Système de sécurité en place. Pour l'activer, précisez nom et grade. Elisabeth Sobek, grade Alpha. Système de sécurité activé. Protocole d'extinction en marche. Aloy, je vois que tu t'es occupé d'Hadès. Oui. Tu crois qu'il va rester mort cette fois ? Mais oui. Tu peux me faire... Confiance ? Oui. Confiance. Tu vois, j'ai fait ce dont tu as été incapable. J'ai extrait le savoir inestimable d'Hadès. Fais-moi confiance, j'étais prêt à te laisser le détruire réellement cette fois. On en revient aux hologrammes, fini le face-à-face ? Tu as peur que je te poignarde, c'est ça ? Il y a une raison qui... Il y a le même logiciel espion, je vois. Donc, à chaque fois que j'ai appelé, tu aurais pu répondre. Mais tu préférais continuer de m'espionner pendant tout ce temps. Mon monde ne tourne plus autour de toi depuis des mois, Aloy. J'ai beaucoup de travail. Des heures de recherche. Aussi complexe et chronophage que primordial pour le destin de la planète. Ah oui, bien sûr. Tu essaies aussi de sauver le monde. C'est exact. La différence, c'est que contrairement à toi, moi, j'obtiens des résultats. Est-ce que tu as trouvé une copie de Gaïa ? Oh oui. Je crois que oui. Où ça ? Mais ici. Pourquoi tu crois que je t'ai fait venir, sinon ? Derrière cette trappe à verrouillage génétique se trouvent les ruines où le protocole d'extinction d'Hadès a été finalisé. Le processus de test a fait des centaines d'essais, dont chacun utilisait une copie de Gaïa. C'est Hadès qui te l'a dit ? Bien sûr, j'ai dû insister. Mais oui. Donc, est-ce que tu es prête à obtenir ce que tu cherches depuis maintenant 6 mois ? Ou est-ce que tu vas juste rester planté là la bouche ouverte ?
Est-ce qu'Hadès a révélé la source du signal mystérieux? Celui qui l'a réveillé et tenté d'anéantir la Terre. Oui, en effet. Je peux savoir? Tu le sauras. Mais pas tout de suite, Aloy. Aux dernières nouvelles, tu avais une IA super intelligente appelée Gaïa à réinitialiser. Oui. La Gaïa qui a dû s'autodétruire il y a 20 ans à cause de ce signal. La transmission s'est arrêtée il y a des années. Ce n'est plus une menace. Et s'il recommence? Impossible. Et quand bien même il... Les détails sont compliqués, mais le signal nécessitait Hadès pour agir. Si tu supprimes Hadès de la copie réinitialisée, Gaïa ne craindra rien. Alors arrête de perdre du temps. Et va trouver une copie. T'as dit que tu n'avais pas chômé. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais tu as quand même pris le temps d'apprendre aux rebelles Ténac à pirater des machines pour les monter. Aloy, la seule chose dont tu devrais t'occuper, c'est d'obtenir une copie de Gaïa. Peut-être que si tu te concentrais plus, tu obtiendrais des résultats. Je note que tu ne nies pas, Silence. Prends ça comme tu veux. Juste pour être sûr, Hadès t'a dit qu'il y a des copies de Gaïa là-dedans. Oui. Il y en avait, en tout cas. Il y a un millénaire. Des copies qui n'ont pas été effacées quand Ted Faro a supprimé toutes les copies d'Apollon. C'est ça. D'après Hadès, ce site n'était pas accessible par un signal distant. Même Ted Faro ne pouvait accéder à ces données. Des copies. Des copies complètes de Gaïa et de ses fonctions subordonnées. Tout ce qu'il faut pour relancer le système, rétablir le contrôle de la terraformation, sauver la vie sur Terre. Là-dedans? C'est ce qu'a dit Hadès. Alors qu'est-ce que tu attends? D'accord. Je vais fouiller le site pour trouver une copie. Mais soyons clairs, Silence. Si c'est encore une de tes manigances... C'est un verrouillage génétique, Aloy. Tu es littéralement la seule sur cette planète à pouvoir l'ouvrir. Comment aurais-je pu y mettre un piège? Si tu me trompes encore, Silence, notre prochaine conversation sera en face à face. Mais tu n'auras pas grand-chose à dire, puisque ma lance sera plantée dans ta gorge. Aloy, grâce à moi, tout ce que tu désires, tout ce que tu cherches depuis 6 mois sans réussir à mettre la main dessus est désormais à ta portée. Bon, je sais que tu ne connais pas grand-chose à la politesse en tant que paria d'Enora, mais dans ce genre de situation, il te faut dire « merci » et je te répondrai « je t'en prie ». Identiscan, ne bougez pas. Profil génétique confirmé. Accès autorisé. Bonjour, Docteur Sobek. Entrez, je vous prie. Entrez, je vous prie. Entrez, je vous prie. C'est une blague, là! On dirait qu'on a de la chance. De la chance? La porte est complètement foutue! En effet. Mais malgré le problème, tu pourras quand même entrer. Si tu patientes encore un peu. Tu vois ces cristaux, là? Les Oseram les appellent les flammes gemmes. Ils sont inflammables. Ça ne suffira jamais à faire sauter une porte de ce type. Mais ça suffira peut-être à l'ouvrir un peu plus. Exactement. Ça ne marche qu'avec un igniteur. Je t'envoie les schémas tout de suite. Pour le fabriquer, tu auras besoin de pièces de machine et d'huile d'algues à feu. Elle ne pousse que sous l'eau, mais tu devrais en trouver dans le lac à côté. Les pièces sont bien plus complexes. Il te faudra une bobine d'étincelle issue de la batterie d'un bondisseur. Il faut retirer la batterie avant de tuer la machine, sinon elle sera détruite. D'accord. Bon, j'ai déjà de l'algue à feu des fonds. Il me faut juste les pièces.